Ça doit sûrement être là. Hop. Hop. Voilà donc où se cache le célèbre Pascal la Cascade. Ça fait des mois que tout le monde te cherche, Pascal. Où étais-tu passé? Bah, j'ai décidé de tout arrêter pour me lancer dans une carrière de basketteur, et ça se voit pas? Fini les cascades pour moi. Tiens, regarde ce que je sais faire. Hop. Eh, c'est bien, mais sans te vexer, je ne pense pas que tu aies le niveau NBA, Pascal. Et puis, tu joues en jeans, c'est ridicule. Bon, ok, tu m'as convaincu. Je reviens. Pascal, 2-3 questions pour Nice ce matin. Oh, vous voulez encore revenir sur cette histoire? Ok, elle avait 15 ans, mais elle en paraissait 16. Alors, première question, où étiez-vous passé? Les gens disaient que vous étiez mort, c'est vrai? Votre question n'a aucun sens et ça me gêne. Si j'étais mort, je pourrais pas être ici devant vous. Ah, pardon, monsieur la cascade. Et qu'est-ce qui vous a motivé à revenir? Niquer des meufs. Pascal, depuis que t'es de retour, je trouve que t'as changé. Tu me caches des choses. T'étais où hier soir? Pardon? Je demande ce que tu as fait hier soir. Oh, rien de spécial. J'ai été danser sur un parking comme tous les mardis, et pourquoi? 1, 2. Ah oui, c'est vrai que le mardi tu as danse maintenant. Bon, c'est pas que ça me fait chier de causer avec toi, mais j'ai un truc à faire. Salut, c'est Pascal. Préparez vos chattes. Et tu veux faire de la moto? Dégage, gros con! Et tu veux faire de la moto? Non, ok! Je viens me faire une mise en pli! Et tu veux faire de la moto? Oui! Si ça te dérange pas, je vais m'arrêter faire pipi au bord de la route. J'ai la poche pleine. Je peux savoir où t'étais hier soir? T'es parti comme un voleur sans rien dire, encore une fois! Qu'est-ce que tu me caches, Pascal? Écoute-moi bien, le jour où t'arrêteras de laisser traîner tes serviettes hygiéniques usées partout dans l'appart, tu pourras la ramener, ok? Et t'avises pas de dire que je suis un mec qui fuit ses responsabilités, ok? Parce que s'il y a bien un truc qui fuit ici, c'est ta chatte. Bon, tu m'as saoulé et je me recasse. Je suis libre! Libre comme une paire de couilles dans un caleçon! Oh oh! Oh non! Je regrette. La moralité de cet épisode, c'est que quand vous avez un rêve en tête, comme devenir joueur professionnel de NBA par exemple, il ne faut jamais laisser personne vous détourner de votre chemin. Surtout si c'est une femme, car comme le disait Nietzsche, le jour où les femmes donneront de vrais conseils, ça sera un mercredi et non un jeudi. Merci et bonsoir. Abonne-toi! Si toi aussi t'aimes les cascades, tu peux t'abonner à la chaîne de Bat & Gaël, c'est cool.